Si l'environnement naturel n'autorise pas les géographes à définir un Moyen-Orient uni et unique tel qu'on l'entend aujourd'hui, il en va de même pour les historiens. Avant le milieu du XIXe siècle, l'idée qu'il existe un Moyen-Orient identifiable et spécifique est totalement absente. C'est pourtant ici, dans ce fameux Moyen-Orient tel qu'on le nomme aujourd'hui, qu'est née la géographie avec le premier planisphère de l'histoire tel qu'on le voit à l'image ici, la tablette d'argile de Sippar, qui vient d'Irak, et qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'objet est une représentation symbolique du monde imaginé par les savants de la civilisation babylonienne, à l'époque où leur capitale, Babylone, était perçue comme le paradigme des espaces connus. Mais la carte est aussi une image du cosmos, puisque Nippur, capitale religieuse de l'empire néo-babylonien, relie la terre au ciel. Là, à l'image, on voit une copie de cette tablette babylonienne qui est déposée donc au British Museum. Et les annotations ont été notées en français. Elles étaient écrites à l'époque en alphabet cunéiforme. Comme on le voit à l'image, l'espace est centré sur le fleuve, l'Euphrate, qui s'écoule depuis les montagnes turques jusqu'au marécage de l'Irak. Les États voisins sont notés soigneusement. L'Assyrie, l'Élam, l'Urartu, mais le monde extérieur, sauvage, n'existe presque pas et se limite à la mention de l'océan Salé, est-ce que ce serait le golfe Persique, ainsi qu'à des triangles schématiques représentant peut-être notamment l'Égypte et l'Arabie. C'est donc, on va utiliser ce terme, le Moyen-Orient qui est le monde à lui seul. Toute la géographie antique partageait cette perception. Le Moyen-Orient est le véritable axe de l'univers où cohabitent les peuples qui sont dignes d'être retenus et où les dieux replient le ciel pour rencontrer les hommes. Dans le récit biblique, après le déluge, les trois fils de Noé repeuplent la terre. C'est la Genèse, chapitre 10. C'est un épisode dont profite l'auteur pour présenter une classification ethnographique selon les connaissances des Hébreux. Japhet donne naissance au peuple de Méditerranée et d'Asie mineure, tel qu'on le voit maintenant à l'image, Cham à ceux d'Afrique et d'Arabie, Sem à l'ensemble des peuples entre la Méditerranée et la Perse. Chapitre 10, verset 31. Tels furent les fils de Sem selon leur clan et leur langue, d'après leur pays et leur nation. La géographie n'est qu'un classement d'ethnie. Le Moyen-Orient se retrouve ainsi éclaté entre les trois descendances de Noé, sans aucun rapport avec notre vision contemporaine de la région. La Bible situe le centre symbolique de son récit, autour de Canaan, si bien que lorsque les hommes partirent pour bâtir la ville de Babel, je cite la Genèse chapitre 11 verset 2, ils se déplacèrent vers l'Orient. Hérodote, qui est mort vers 420 avant Jésus-Christ, père de l'histoire, véhicule la même vision ethnographique du monde. Les régions n'existent que par leur peuple, d'où une variabilité des frontières. La séparation en trois continents, Asie, Europe et Libye, c'est-à-dire l'Afrique en fait, est incertaine puisque l'Arabie semble se partager entre ces deux derniers. Hécate de Milet, qui est mort lui vers 480 avant Jésus-Christ, inclut la Libye dans l'Asie. Lui-même, donc je reviens à Hérodote, lui-même n'est pas dupe. Voici ce qu'il dit. Je m'étonne vraiment qu'on ait pu diviser le monde en trois parties, Libye, Asie et Europe, quand il y a tant de différences entre ces régions. Ça, c'est tiré de l'enquête. Tel qu'on le voit sur cette carte, Hérodote ne voit aucune unité particulière à notre Moyen-Orient. Dans ses récits, il distingue l'Asie mineure de la Haute Asie, c'est-à-dire la Cappadoce et l'Arménie, de sorte que l'Asie elle-même semble correspondre à l'Empire perse et aux régions orientales de l'Euphrate, plus qu'à un continent proprement dit.
De cette vision du monde, on retient que le nord de notre Moyen-Orient fait l'objet de toute l'attention d'Hérodote, preuve que, pour lui, l'histoire de la civilisation se joue ici, entre la mer Égée et les montagnes iraniennes. L'Europe n'existe qu'à travers la Grèce et l'Orient que par l'Empire perse. Chez les géographes grecs, l'Orient commence de l'autre côté de la mer Égée, en Ionie, région qui sépare le monde grec civilisé des barbares, qualificatif désignant les Mèdes, les Perses, les Assyriens, des peuples méprisés et craints à la fois. À cette charnière, et sur le fleuve Phase, aujourd'hui le Rioni en Géorgie, se trouve l'Asie mineure, région tampon peuplée de Grecs vivant en cité mais dominée par les Perses, région incertaine, à cheval entre deux civilisations. Quant à la frontière entre l'Asie et l'Afrique, le savant Anaximandre la fixe sur le Nil au 6e avant Jésus-Christ, mais Hécatée de Milet en mer Rouge. Le doute demeure donc. La limite entre l'Asie et l'Europe a progressivement reculé avec la conquête d'Alexandre le Grand, mort en 323 avant Jésus-Christ, puis celle de l'Empire romain sous Trajan qui a duré de 98 à 117 après Jésus-Christ. En prenant pied dans l'Empire perse, les Grecs et les Romains ont attiré dans l'orbite occidentale toute l'Asie mineure et la Mésopotamie, reculant la frontière de l'Orient au mont Taurus. Ce que les Romains appellent l'Orient, et qui est sous leur contrôle, correspond à peu près à notre Moyen-Orient. Il faut y retrancher toutefois l'Égypte, qui a toujours été considérée par les géographes antiques comme un espace à part. Par exemple, Diodore de Sicile fait de l'Égypte, encore une fois un monde à part, distinct de l'Asie et de l'Afrique. Dans la géographie, titre dans l'ouvrage, la géographie de l'érudit grec Strabon, qui est mort vers 25 après Jésus-Christ, l'Asie est découpée en deux ensembles, nord et sud. Voilà ce qu'il dit. Le Taurus est ce qui détermine la région septentrionale de l'Asie. La description des régions sud-asiatiques par Strabon n'offre aucune unité. On y découvre la région pontique et l'Asie mineure d'un côté, puis un vaste sous-ensemble hétéroclite, sans nom ni cohérence ethnique, mais qu'il juge opportun de regrouper la Syrie, la Mésopotamie, la Syrie, en deux mots, la Phénicie, la Palestine et l'Arabie. Et ce sont ces principaux espaces du Moyen-Orient contemporain. Strabon est donc soucieux de distinguer des composantes régionales en Asie, mais valorise l'Asie mineure aux dépens de la péninsule arabique trop hétérogène. Sur cette carte-là, telle qu'on la voit ici, il y a une évolution de la limite dans les représentations collectives entre le monde civilisé et le monde barbare oriental, et après un premier basculement progressif vers l'ouest dans l'Antiquité, cette limite a été repoussée par les Romains vers l'est, avant de reculer à nouveau au Moyen-Âge, signifiant ainsi l'élargissement du monde oriental. Chez les Latins, le substantif « orient »,« oriens » est polysémique, désignant parfois toute l'Asie, l'Asie en deçà de l'Indus, ou encore l'Est de l'Empire romain. Il développe une géographie de l'Orient sans mythe, descriptive, dont la fonction est essentiellement militaire et cadastrale. Leur vision de l'univers fut jusqu'au 1er siècle celle des Grecs, opposant l'empire civilisé et urbain à une oïkouméné frustre, rurale, dénuée de vie civique. Tout l'est de l'Asie mineure en faisait partie. La carte que l'on voit ici, c'est la fameuse carte de la géographie de Strabon. L'Asie mineure est considérée, comme je vous l'ai dit, dans la haute antiquité, comme l'espace séparant la civilisation grecque de l'Orient barbare. Après la conquête d'Alexandre le Grand, cette limite passe au mont Taurus qui forme une barrière scindant en deux le Moyen-Orient. La dichotomie s'efface avec les grandes conquêtes de Pompée, qui est mort en 48 avant Jésus-Christ, et Trajan. Car les Romains eurent le sentiment d'avoir atteint les bornes de l'horizon terrestre, l'orbis terrarum,
Désormais, l'Orient était entré dans l'Empire. On lui fixa des limites administratives, celles de la préfecture d'Orient. Elle comportait d'ailleurs quatre diocèses, l'Égypte, Pont, Thrace, Asie, et ça, c'était d'après la Notitia Dignatum vers 428 après Jésus-Christ. Son originalité s'effaçait, comme le montrent les travaux du géographe et astronome romain Ptolémée, mort en 168 après Jésus-Christ. Romanae spatium est urbis et orbis idem, ce qui signifie l'espace de la cité de Rome et l'espace du monde, c'est tout un. Voilà ce qu'écrivait Ovide dans ses Fastes. Les descriptions latines des peuples orientaux sont toutefois imprégnées d'un sentiment de supériorité et de stéréotype. Les Arabes sont instables, les Perses incestueux. À l'image, on voit la table de Peutinger. La partie orientale, enfin en tout cas c'est un segment de cette table qui est absolument immense. La partie orientale de la table de Peutinger, d'après sa copie du XIIIe siècle, donc cette carte des itinéraires romains offre une vision homogène de l'Orient, parfaitement connue, uniformisée et intégrée dans les stratégies de l'Empire. Comme je vous le disais, cette table de Peutinger, qui est une copie médiévale d'une carte romaine composée entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, reflète cette nouvelle perception de l'Asie. Elle présente un monde aplati, uniformisé, parcouru de routes convergeant vers Rome, ponctué de villes, de ports et d'étapes. Sa fonction est routière et pratique. La partie orientale très détaillée présente toutes les provinces de l'Empire sans négliger ses voisins immédiats, notamment la Perse. Comme le proposait Strabon, la chaîne du Taurus apparaît comme une barrière naturelle qui coupe l'Orient en deux. L'appellation d'Asie est employée pour l'Asie mineure, preuve que les Romains ont intégré cet Orient dans leur entreprise de domination et d'arpentage du monde connu. Après la christianisation des deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ, le mépris romain pour les peuples orientaux devient caduque. Toute la Méditerranée partageait évidemment la même foi. La fracture religieuse paraît alors secondaire et se trouve remplacée par des oppositions linguistiques, telles que le latin, le grec, l'araméen et le persan. Mais l'antagonisme a disparu. Le lettré Rufin d'Aquilée, qui est mort en 411 après Jésus-Christ, se félicite même de la conversion des Arabes, alors qu'ils sont en dehors de l'Empire.